à quelques jours du début du tournoi de Roland-Garros, de nombreux Français portent leurs espoirs sur Arthur Fils. La pépite du tennis âgée de 19 ans ne s'entraîne pourtant pas en France. En effet, il vit très loin. Droit d'auteur Best Image. En bref, Arthur Fils, 19 ans, a remporté le Challenger 175 de Bordeaux juste avant Roland-Garros, se positionnant ainsi comme tête de série pour la première fois en Grand Chelem. Vivant à Dubaï, Arthur Fils profite de ses gains en tournoi pour s'offrir un pied-à-terre, tout en gardant des racines à Saint-Michel-sur-Orge, Essonne. Après avoir été élu révélation de l'année par l'ATP en décembre 2023, il affrontera Matteo Arnaldi, 36e mondial, lors de son premier match à Roland-Garros. À quelques jours du début du tournoi de Roland-Garros, Arthur Fils s'est mis dans de très bonnes conditions en remportant le Challenger 175 de Bordeaux. Âgé de 19 ans, le joueur de tennis français va donc être tête de série à Roland-Garros, une première pour lui en Grand Chelem. Ce n'est pas en France qu'il s'entraîne pour réussir ses performances sur le terrain de tennis. En effet, comme on l'apprend dans les colonnes de Libération, Arthur Fils vit à Dubaï. Ses gains en tournoi lui ont permis d'acheter un pied-à-terre à Dubaï, ce qui ne l'empêche pas de revenir à Saint-Michel-sur-Orge, Essonne, à la frontière des barres d'immeubles, des cités pavillonnaires et des grandes étendues champêtres du sud du département, peut-on ainsi lire dans Le Quotidien. Arthur Fils aime passer du temps dans sa cuisine, son petit plaisir lorsqu'il n'est pas en train de s'entraîner et de jouer au tennis. Arthur Fils aime passer du temps dans sa cuisine. Il a toujours aimé cuisiner mais ne prenait jamais le temps de passer derrière les fourneaux. Maintenant que j'ai mon chez moi, si est-il plus facile. J'ai mon spécial, le riz au pois, a-t-il encore révélé. Le joueur qui a été élu révélation de l'année par l'ATP en décembre 2023 espère maintenant faire sensation lors du tournoi de Roland-Garros. Et pourtant, dès son premier match il devra créer l'exploit. Il sera confronté à Matteo Arnaldi, 36e mondial et grand espoir du tennis italien. De son côté, Arthur Fils est classé 30e au niveau mondial. Arthur Fils s'est lancé dans le tennis grâce à son papa Siesti, grâce à son père qu'Arthur Fils a débuté le tennis. Lors d'une interview donnée à Ouest France en 2021, sa mère expliquait qu'il avait débuté le tennis avec son papa qui était inscrit dans un club. On a mis tout en place et la mayonnaise a pris, racontait ainsi son papa. Tous les deux avaient été interrogés sur le caractère du joueur de tennis. Si est-il un enfant qui donne beaucoup depuis qu'il est tout petit. Il est très sociable et en retour, il reçoit beaucoup, déclarait sa maman.